au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on est saisi en ce troisième dimanche de l'Avent, du temps qui précède Noël. On est toujours saisi par ce texte tellement extraordinaire dans lequel on a en fait, ce bien, Seigneur Jésus, bien, du temps de l'Avent, c'est une demande de la venue du Christ de la part de son peuple. Et bien, on l'a ici en tête par ce Fils de David, miséricorde, Fils de David, viens, viens, Seigneur, c'est lui le don de la vue, c'est lui la lumière, c'est lui qui donne, c'est lui qui, voilà, quand on se met près de lui. Et alors, évidemment, les pères disent que cette mendiant, ce bord du chemin, cet aveugle, qui est nommé Bartimée par Marc et chez Matthieu, il y a deux aveugles. Et bien, cet aveugle, les pères disent que c'est moi le premier, comme l'a dit saint Paul, hein, je suis le premier des pécheurs, c'est moi le premier. Et c'est la ville de Jéricho, comme vous savez, c'est une ville très très basse, plus bas que le niveau de la mer, et qui est en fait qui représente le monde, c'est une ville qui dans son histoire a vécu des péripéties terribles, et encore aujourd'hui cet évangile lu maintenant on est à Jéricho, et ce cri bien écouté, évidemment on sait bien d'où il vient, ce cri de personnes qui sont bombardées, qui sont opprimées, tuées en otage, ce cri d'humanité permanent en fait, parce que cette ville, ces régions sont quand même vraiment depuis bien avant la venue du Christ, et ces régions sans cesse en guerre, sans cesse cette terre sainte d'où vient ce cri. Et en fait c'est Adam au paradis qui a vu Dieu. Adam, j'ai vu Dieu, nous avons vu Dieu en Adam au paradis. Donc cette nostalgie, si Adam demande la vue, la vision qu'il a perdu, c'est parce qu'il a vu, hein, il a déjà vu. Il y a des aveugles de naissance dans l'évangile, mais pas celui-ci. Mais il a vu Dieu, il a l'intuition, cette intuition que... Et c'est donc Adam qui crie, mais des cris, on en entendra un autre, le cri du Christ sur la croix aussi. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ lui-même, le nouvel Adam lui-même, se crie vers le Père. Et la liturgie, on pourrait dire, elle est exclusivement ça, ce cri vers le Père, ce cri Seigneur miséricorde, Fils de Dieu, et cette prière centrale, prière hésychaste, bien pratiquée quand même en général dans l'Église orthodoxe, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, fais-moi miséricorde, sauve-moi. En fait, là aujourd'hui, on a la catéchèse sur la prière de Jésus, c'est-à-dire c'est essentiellement demander la vue, demander la lumière, demander de voir Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Et c'est Adam qui crie, c'est que ce soit sous les bombes, que ce soit aussi dans notre cœur, parce que l'enfer, c'est pas seulement la guerre, c'est aussi ce qui se passe dans mon cœur, c'est justement le fait de ne pas savoir que Dieu est là, et passe dans ce bruit, dans cette rumeur, nous dit l'évangile, ce bruit, et c'est très intéressant, parce que cet aveugle, en fait, on voit bien que les sens dont on parle aux enfants pendant cette année liturgique, les sens sont totalement complémentaires les uns des autres. Un seul sens nous manque, et en fait, tous les autres sont handicapés, parce que l'oreille, bon, on entend, schéma Israël, écoute, oui, mais l'oreille, c'est... On vient à l'église pour voir les icônes, vous savez, les icônes, les despotiques sont à la hauteur de nos yeux, pour qu'on se laisse regarder, voir illuminer, et que près de lui, parce que en fait, l'évangile dit bien ça, près, quand il voit qu'il est près de lui, c'est seulement ceux qui le supplient et qui sont près de lui, c'est pour ça qu'on se rapproche pour obtenir cette lumière. Et il y a une chose que je voulais partager avec vous dans un truc trop long ce matin, c'est le courage de cet aveugle, le courage de l'humanité dans cet aveugle, le courage parce que, comme le disait un médecin que plusieurs d'entre nous connaissent, qui parlait de la, je dirais, du statut de malade, du statut, bien, c'est un statut, oui, et en particulier, à cette époque-là, dans ce peuple, la cécité ou d'autres infirmités, parfois des parents, rendaient leurs enfants infirmes pour qu'il ait une rente à vie. Parce que la mendicité est un statut qui permet de survivre, en tout cas.
Et donc, en fait, il lui faut un courage, parce qu'en fait, par la vue, il perd tout. Il perd sa condition d'aveugle. Ça peut paraître étrange, cette manière de voir les choses, mais nous-mêmes, si on se regarde bien dans notre cœur, est-ce qu'on a tellement envie, vraiment, est-ce qu'on hurle de douleur en demandant la vue de voir Dieu? Est-ce qu'on est si convaincu que ça, qu'elle nous manque, cette vision? En fait, on est bien dans notre péché, au fond, hein, voilà, de dimanche en dimanche, on confesse un peu les mêmes péchés. Il y a quand même une situation de confort dans ce qu'on est. On entend dire ça aussi, oh, ben moi je suis, je suis paresseux, je suis. Non, en fait, non. J'accepte l'appareil, j'accepte dans mon cœur un certain nombre de choses qui ont fini par gangréner mon cœur, par gangréner mon être, et qui finissent par être comme une seconde nature. Et donc, j'ai une espèce de confort, une définition de ma personne, personnalité, ce qui n'est pas la personne, mais une certaine définition que je me suis trouvée qui me convient bien, et je suis dans mon coin. Et bon, moi, je vais à l'église un petit peu quand même, mais en fait, bon, tout ça, tout n'est pas pour moi, en fait. Hein. Et Mère Emiliani, qui s'est adressée à un certain nombre d'élèves hier matin, disait que en fait, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. La foi en Christ, c'est tout. C'est tout ou rien du tout. Il n'y a pas de juste milieu. Et en fait, si on n'a pas ce courage, si on ne se greffe pas à ce bon aveugle qui nous montre, qui est notre pédagogue peut-être aujourd'hui, eh bien, si on n'a pas si on se prend par la main, parce que dès qu'on lui dit, c'est le Jésus de Nazareth qui passe, et il est là, à Lucienne, à côté de la gare SNCF, et s'il ne se bouge pas, s'il ne se lève pas le matin, s'il ne met pas son réveil, s'il ne bondit pas vers l'écrit, alors que tous les éléments sont contre. Hein, le matin, il est fatigué, les enfants, tout est contre se rapprocher. Les gens le rabrouent, hein, reste tranquille, reste, toi t'es à l'aveugle, tu étais sur le bord du chemin, t'es là, on est habitué à te voir, on te donne un peu d'argent, c'est déjà pas mal comme ça, c'est bien, chacun a sa place, les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches, tout est bien. Et en fait, lui, cet courage énorme, cette énergie extraordinaire donnée par Dieu, inspirée par l'Esprit Saint, qui le fait se propulser vers le Christ, cette propulsion, demandons à Dieu de nous donner cette pas seulement le fait d'aller tranquillement, mais de courir, et que notre prière soit une course vers, que notre prière soit pas, voilà, les prières du matin, un petit peu l'évangile, un petit peu ceci, un peu cela, un petit chapeau par ces temps-là, que ce soit vraiment, comment est-ce qu'on peut avoir cet amour dans le cœur, comment Dieu peut nous donner cette détermination, en fait, ce qui est déjà la déification, en fait, c'est déjà Dieu. La lumière est déjà là, puisque l'énergie est donnée. C'est un fait extraordinaire que l'Esprit Saint, que le Christ est venu pour donner au monde. Et c'est aussi cette énergie. Et demandons à Dieu de dépasser nos limites, de ne pas accepter le conditionnement social, familial, personnel, voilà, la vie telle qu'elle est, tout ça. Mais de penser que tout est possible à Dieu. Et même nous-mêmes, quand on écoute les informations qui nous terrifient, on ne sait pas quoi faire, quoi penser. Bon, prier, mais prier en sachant que Dieu va venir. J'entendais, vous l'avez peut-être entendu comme moi, les commentateurs qui disent qu'on ne compte plus que sur Noël. Peut-être qu'à Noël, parce qu'il y a dans des moments de haine, la haine s'est tellement développée qu'on a l'impression que c'est irrémédiable. Les gens se détestent tellement, sont tellement ennemis qu'il n'y a plus de réconciliation possible. Mais le Christ aujourd'hui nous dit oui, nous dit une réconciliation. Si vous m'attendez, si vous vous rapprochez de moi, si vous demandez ma venue, viens Seigneur Jésus, viens pour nous préparer à Noël, à ce que le vrai cadeau, la vraie lumière, c'est lui-même. L'étoile va nous montrer le chemin pendant tout ce temps d'avant. Nous allons aller comme ça vers Noël en disant viens Seigneur Jésus, viens toi Seigneur. Et nous, miséricorde, avec le Père et le Saint-Esprit.